Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Velokoshi Karebakasata, Velokosakadabakashi Koroboboshi, au nom puissant et souverain de Jésus, O Ratabasha, O Ratakarabashi, au nom puissant et souverain de Jésus, à toi est le jour, à toi est la nuit, Seigneur. À toi est l'honneur, à toi est toute la gloire. À toi est l'honneur, à toi est toute la gloire, Seigneur. Mon âme te bénit, mon esprit, ô Karikasha. Magnifie ton saint nom, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits, Père. Ce matin, je n'oublie pas ta bonté, je n'oublie pas ta fidélité, je n'oublie pas ta grâce, je n'oublie pas ton grand amour, tes grandes compassions, je ne les oublie pas, Seigneur. Je suis reconnaissant, Seigneur, je suis reconnaissant, Seigneur, pour tes grandes délivrances, je suis reconnaissant, Seigneur, pour le nombre de guérisons que tu opères dans la vie de tes fils et de tes filles. Dans ma maison, Père, nous sommes reconnaissants ce matin. Nous ne serons pas ingrats, Seigneur. Nous ne serons pas indifférents. Nous ne promènerons pas les regards inquiets. Tu as déjà agi par le passé, Seigneur. Tu as déjà guéri, Seigneur. Tu as déjà délivré, Seigneur. Nous te connaissons comme étant le Dieu qui guérit. Nous te connaissons comme étant le Dieu qui délivre. Nous te connaissons comme étant le Dieu qui sauve. C'est pourquoi, Père, ce matin, dans le nom de Jésus, nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. O Rabashata, O Ratabaki Rabasha, Reko Soto Roboboshi. Isakata yabaramasha, ora katana makari bakoso, o sharaba sandari babasha, o rekoko ikaribasa. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a point de rocher comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. À qui pourrions-nous te comparer pour que tu lui ressembles? Ô Père, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons sois exalté, sois loué, sois adoré, Seigneur, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Nous te remercions, nous te rendons grâce, nous te remercions, nous te rendons grâce, Seigneur. Père, certainement ce matin, certains ont voulu se réveiller, mais leurs yeux ne se sont pas ouverts. Ils ont été liés, Seigneur Jésus, à la mort et à un autre monde duquel ils ne reviendront plus jamais, Seigneur. Certainement, ce matin, certains ont voulu se lever pour t'adorer, Seigneur, mais ils se sont retrouvés dans le séjour des morts. Ô Père, alors que tu nous as donné la vie, Seigneur, ce matin, Père, dans le nom de Jésus, nous refusons les plaintes, nous refusons les lamentations. Nous refusons les complaintes, nous refusons, Seigneur, la dépression et le stress dans le nom de Jésus. Nous refusons d'être négatifs, nous refusons le pessimisme, nous refusons au nom de Jésus. Nous refusons les angoisses, nous refusons les frayeurs, nous refusons les craintes, nous les refusons, au nom puissant de Jésus. Nous refusons d'être victimes
Nous refusons, Seigneur, d'être victimes. Nous refusons la position de proie. Nous refusons, Seigneur Jésus, la position, Seigneur, et les sentiments d'être abandonné, car tu es toujours là, tu es toujours avec nous, tu ne nous as jamais laissés, tu ne nous as jamais abandonnés, Seigneur. Tu as toujours été là, présent parmi nous, fidèle parmi nous, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, ô Père, de laisser les sentiments de nos cœurs, les sentiments de la chair et les paroles de la chair t'accuser, ô Père, de tenir pour responsable, Seigneur, d'un quelconque stress et désagrément dans nos vies. Nous refusons, Seigneur, ô Rabachata, d'imputer à toi l'Éternel, notre Dieu, notre Sauveur, notre Roi, une quelconque affliction, Seigneur. Mais nous déclarons dans le nom de Jésus que tu es bon et ta grâce dure à jamais. Tes bontés se renouvellent pour nous tous les matins. Tes bontés et tes faveurs se renouvellent pour nous chaque matin. Tes bontés, tes faveurs et tes grâces se renouvellent pour nous chaque matin dans le puissant nom de Jésus. Ô Père, tes bontés, tes faveurs et tes grâces n'ont jamais failli. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons prophétiser et déclarer. Nous venons prophétiser et déclarer. Adabarokoshata. Nous venons donc prophétiser et déclarer, Seigneur, que ta volonté seule s'accomplira dans nos vies. Ta volonté seule s'accomplira, Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et qui nous ont inscrits, Seigneur, sur une liste de morts dans le séjour des morts. Rabachata, je déclare que seule la volonté de ton royaume prévaudra sur nous, ô Père. Nous sommes fils du royaume. Nous sommes, ô Père, pour tes servantes, filles du royaume. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous n'appartenons pas à quelqu'un d'autre. Nous n'appartenons pas à quelqu'un d'autre, Seigneur. O rakatarabasha, rekeche kedeboso, la ramakashi kodobosa, idarabamakashata, ndarababakashi korobosha. Au nom puissant de Jésus, nous refusons, Seigneur, d'être inscrits dans une quelconque liste de morts, dans une quelconque liste de maladies, dans une quelconque liste d'échecs au nom puissant de Jésus. Nous refusons, Seigneur, Aramashata, d'être inscrit, Seigneur, dans une quelconque liste, Seigneur, de calamités, Seigneur, d'adversités, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous refusons, Seigneur, Obarisata, nous refusons, Seigneur, d'être inscrit, Seigneur, dans une quelconque liste de malheurs et de personnes, Seigneur. Mambari Sokora, d'être Rokoshibare Kassa, d'être dans une quelconque liste de malheurs, d'être dans une quelconque liste de défaites, Seigneur, nous refusons la participation à une quelconque liste, Seigneur. Papa, de blocage, nous refusons d'être inscrits dans des listes maléfiques, des listes démoniaques. Nous refusons d'être inscrits. Que ceux qui nous ont inscrits dans une quelconque liste d'adversité, de calamité, de désordre, de confusion, ô Père, que ceux-là même soient inscrits dans ces listes-là au nom puissant de Jésus. Ô Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aramashata. Yarababa Kashata. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Je prie que vous soyez hors des mauvaises listes ce matin et que vous soyez inscrits dans des bonnes listes au nom puissant de Jésus. Tout le monde, écoutez-moi bien ce matin, tout le monde est inscrit dans une liste. Sois béni, prophète Marc.
Tout le monde est inscrit dans une liste. Et quand on inscrit ton nom dans une liste, on ne te demande pas. On ne te demande pas. Oh, Mamacha, Lekorakata. Quand on inscrit ton nom dans une liste, tu vas subir. Écoutez bien. Tout le monde est dans une liste. Tout le monde est dans une liste. Aide-nous, Seigneur. Yorobo shata tata tata. Yorobo boko soto robo bosha. Yorobo boko shata rababasha. Yorobo boshi karabasa. Tout le monde est dans une liste. Le premier, alléluia, qui a été inscrit dans une liste, c'est Adam. Lorsque Adam désobéit à Dieu, Dieu va les frapper d'une sentence. Et Dieu ne va pas les frapper directement. Dieu ne prononcera aucune malédiction directement sur eux. Mais Dieu prononcera des malédictions sur ce qui constituera la substance de leur bonheur, la source de leur prospérité. C'est là que le Seigneur a frappé. C'est là. Alléluia. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, dans Genèse 3, verset 17, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Les épines et les ronces n'existaient pas. Maintenant, la terre reçoit. Au sujet de Maroshi Kareba Sadada, elle a un travail bien précis qu'elle doit produire. Écoutez, le Seigneur lui dit, la terre produira des ronces et des épines. Là est créée une nouvelle espèce de plante. Je viens te dire que dans ta vie, il y a probablement une nouvelle espèce de problème. Et la terre a reçu des instructions d'appliquer ces problèmes, c'est certainement sur toi. Il dit, Maro Shikabesa, il te produira, verset 18 de Genèse 3, il te produira des épines. Oh, Yako Kasata. Le sol te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes où? Dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. My God. Alléluia. La terre reçoit une instruction. La terre reçoit des instructions avec des noms précis. Le nom d'Adam et de sa femme. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit. Que signifie être maudit? Ça veut dire avoir sur soi un sort maudit, mal dire, c'est dire du mal, être accusé, être calomnié, être indexé. Le sol va t'indexer. Le sol te voudra du mal. Écoute bien. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ça veut dire que le sol donnait normalement facilement la nourriture.
facilement. N'oubliez pas que Dieu avait mis Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Le sol avait une autre collaboration avec Adam. Mais parce qu'il a écouté sa femme pour désobéir à Dieu, Dieu dit, ce sol-là, on a dit du mal de toi. Cette terre a reçu une instruction mauvaise à ton sujet. Cette terre a reçu une instruction mauvaise à ton sujet. C'est-à-dire que lorsque elle va te voir, lorsque tu vas marcher dessus, elle va se resserrer ses entrailles. Elle ne va pas laisser la nourriture sortir facilement pour toi. Quand tu as une malédiction, tes affaires bloquent. Parce que tu es déjà béni, personne ne peut te maudire. Mais on peut parler sur tes affaires. On peut parler sur les choses, sur la source de ta provision et mettre un décret sur la source de ta provision et dire à la source de ta provision ne marche plus bien. Rends-lui ça difficile. Rends-lui ça difficile que peu importe ses efforts, que ça traîne, que ça traîne, que ça traîne, que ça traîne, que ça bloque. Je viens te dire, on ne peut pas te maudire parce que Dieu t'a béni. Si tu es béni de Dieu, tu ne peux plus être maudit. N'oubliez pas, Dieu ne maudit pas Adam et Ève, mais il maudit leur substance. Pourquoi? Dieu les avait déjà bénis. Dieu les avait déjà bénis. Il leur avait dit, allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les oiseaux du ciel, dominez sur tout ce qui se meut sur la terre et même sur les poissons de la mer. Il leur avait déjà donné une domination. N'oubliez pas, la domination ne leur est pas enlevée. La domination ne leur a jamais été enlevée par Dieu. Mais à cause du péché, ils sont devenus l'ennemi ou les ennemis de tout ce que Dieu avait créé pour eux. N'oubliez pas que Dieu a pris cinq jours, pour créer tout. L'homme est la dernière création que Dieu a créée. Jusqu'au péché. Après le péché, Dieu continue la création. Il continue la création comment? Il commande maintenant au sol de produire des ronces et des épines. On dit souvent que la création s'est arrêtée le sixième jour. Bon, c'est parce que l'homme et la femme ont péché le sixième jour. Après qu'ils aient péché, il y a un nombre de choses qui n'existaient pas qui va prendre vie. Les choses, et tout semblait être créé. Mais là, il dit, il faut que j'ajoute des plantes. Il faut que j'ajoute sur cette terre qui est la source de tes bénédictions, de nouvelles choses qui vont te nuire. Des choses qui n'existaient pas. Des choses dont on n'avait aucune mention. Parfois, on imagine que dans le jardin, il y avait des roses, il y avait des épines. Il n'y en avait pas. Je suis désolé, il n'y en avait pas. C'est au verset 18 que viennent maintenant les mauvaises herbes, que viennent les mauvaises herbes, les plantes inutiles, tout ce qui va créer des problèmes à l'homme. Écoutez bien, les arbres avaient été créés depuis la nature, que la terre produise des arbres et en eux des fruits, et portant en eux des semences selon leur espèce. Tout ce que Dieu avait créé était bon. Tout était bon. Après le péché, la création continue. Les ronces et les épines. Je me demande, qu'est-ce qui a été créé après que nous nous soyons détournés de Dieu pour suivre nos mauvaises voies? Il y a de ces choses qui sont automatiquement générées. Lorsque le péché domine sur nous, il y a des listes de noms qui sont inscrites pour certains problèmes, pour certaines calamités, pour certaines adversités. Quelqu'un va dire, oui, mais pasteur Serge, quand tu es né de nouveau, ça n'a plus d'importance. Tu crois que quand tu es né de nouveau, le péché est gratuit?
Je crois que quand tu es né de nouveau, tu peux juste pécher et ça va aller. La Bible dit que je te pardonne, mais je ne te laisse pas impuni. Le Seigneur dit je te pardonne, et c'est ça le bénéfice de la nouvelle alliance, mais je ne te laisse pas impuni. C'est ça la paternité divine sur nos vies. Oh, il t'a pardonné, oui, il t'a pardonné, mais il va te donner ta leçon. Parce que ça fait partie de l'éducation. La Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Mais il ne va pas te châtier à la manière des hommes. Il va te châtier à la manière de Dieu. Le châtiment de Dieu consiste à te convertir. Il n'est pas juste question de te faire mal dans ta chair. Maintenant, Adam est inscrit sur la terre comme étant privé de toute capacité d'être béni par la terre sans transpirer. La terre ne va pas lui priver tout, mais la terre va lui donner les choses, mais maintenant avec beaucoup de difficultés au milieu des ronces et des épines qui n'existaient pas avant. Les ronces et les épines n'existaient pas. Voilà là où ça commence, les problèmes commencent. Alléluia, regardez. Maro Sata. Regardez d'autres personnes qui ont été inscrites dans la terre. Qui ont été inscrites dans la terre, dans une liste de gens qui doivent finir d'une certaine façon. Nombre chapitre 16, verset 28 à 34. Moïse dit, « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses. » Ah, le temps passe tellement vite. Et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, maintenant Moïse utilise la technique de Dieu. Il va utiliser la terre pour porter un jugement sur ces hommes qui se rebellaient contre lui. Il dit, si la terre ouvre sa bouche, pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts. Vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme ils achevaient de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. Écoutez, la terre a reçu des instructions contre ces gens. Elle s'est fendue. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous les autres biens. Sur la simple parole d'un homme, la terre s'est mise à faire quelque chose d'inouï. C'est-à-dire, on n'avait jamais entendu ça. Pourquoi ces hommes avaient péché d'un péché? Mon frère, ne pensez pas que tous les problèmes de la terre sont déjà connus. Tous les problèmes qui peuvent arriver dans le monde sont déjà connus. Il y a des nouveaux problèmes et de nouvelles calamités qui se manifestent lorsque certaines personnes vont faire certains décrets sur la terre. Dieu avait parlé à la terre pour punir Adam et Ève. La terre a reçu l'instruction parce que la terre a un registre sur lequel ton nom peut être inscrit pour te créer certains problèmes. Écoute bien, la terre a un registre parce que toute la richesse de l'homme, toute la prospérité de l'homme provient de la terre. De toute façon, tout ce qui existe sur la terre vient de la terre. Mais la terre a un registre dans lequel elle enregistre des instructions particulières au sujet de tous les hommes qu'il y a sur la terre. Aïe, ma korakata. Mandakatarabasha. Quand tu es béni, la Bible dit que quand tu traverses la vallée de Baca, tu la changes en un quoi russe, torrent d'eau, le désert devient comme, je ne sais pas, un jardin. Pourquoi? À cause de la bénédiction qui est sur toi. Quand la terre te voit, elle te reconnaît et elle change le désert à... Je déclare qu'aujourd'hui, nos noms sortent de tout mauvais registre que la terre a enfermé.
que le nom de nos enfants sorte du registre de la maladie et de la mort. Que nos noms sortent du registre de la terre au sujet des maladies et des morts à assigner aux hommes qui sont sur la face de la terre. Que le sang de Jésus fasse l'expiation, la rédemption en notre faveur. Et que nos noms soient effacés de tout registre qui serait dans la terre, en train de parler et de réclamer nos vies. Je déclare dans le nom de Jésus que la terre ne se fende point pour nous nuire, qu'elle n'ouvre point sa bouche pour réclamer le sang de nos enfants, le sang de nos parents, notre propre sang. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je plaide le sang de Jésus sur la terre, sur laquelle moi et ma maison nous marchons. Je plaide le sang, j'invoque le sang de Jésus. Que la terre trouve sa satisfaction dans le précieux sang de Jésus qui nous a lavés, qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés. Au nom puissant de Jésus. Oh terre, écoute la parole de l'Éternel. Je te commande dans le nom de Jésus de trouver ta satisfaction, d'être satisfait, oh, de ta soif de sang, dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle favorablement au sujet de mes enfants sur la terre, sur tout registre de la terre. Que le sang de Jésus parle favorablement à mon sujet, au sujet de ma maison, au sujet du fruit des entrailles de mon épouse, du fruit des entrailles de ma mère, du fruit des entrailles de toute personne sous le timbre de ma voix et de ces personnes. Que la terre soit satisfaite du sang de Jésus et nous désinscrive des listes des morts, des listes des condamnés, des listes des maudits, des listes de bloqués, des entravés par la parole d'un quelconque homme. Je le déclare dans le nom de Jésus. Père, que ton sang vienne satisfaire la terre, afin que la terre nous laisse tranquille. Que la terre nous laisse tranquille. Que tout registre maléfique occulte dans lequel nos noms seraient enregistrés dans la terre soit lavé de nos noms. Que ces registres soient effacés. Père, ta parole déclare que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Je déclare donc maintenant que toute liste dans laquelle nos noms étaient inscrits dans la terre, que nos noms, Seigneur, soient effacés des listes de malédiction, que nos noms soient effacés des listes de condamnation, que nos noms soient effacés des listes des opprimés, des déprimés, des listes de morts. Je le déclare et je commande que le sang de Jésus, qui est la rançon pour nos péchés, vienne satisfaire à la soif de vengeance inscrite dans la terre au nom puissant de Jésus. Écoutez bien, peuple de Dieu, nous devons prier étant dans une pleine et absolue compréhension de ce qui se passe sur cette terre sur laquelle nous marchons si librement. Regardez un peu ce que la Bible dit. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dans Nombre 16, 28 à 34. Mama Chata. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Maman, mon frère, ma soeur, peut-être tes biens là, que tu as du mal à comprendre, à gérer, sont déjà engloutis dans la terre. Peut-être tes biens, peut-être tu galères dans tes entreprises, parce que la terre a été prise à témoin contre toi et quelqu'un est allé t'accuser et a versé sur la terre les symboles d'une alliance pour te condamner. Et il faudrait que tu reviennes avec le sang par lequel tout a été accompli à la croix.
réclamer ta vie qui est inscrite sur des listes d'exécution, de jugement par la terre contre toi. Adam et Ève ont été inscrits sur une liste qui rassemblait ceux qui vont tirer leur nourriture de la terre à la sueur de leur front. Ils étaient inscrits sur une liste qui était telle que quand la terre allait les localiser, elle allait tout simplement produire des ronces et des épines. C'est-à-dire que c'est Adam qu'il cultive, on va voir. Tu cultives ronces et des épines. Tu investis ronces et des épines. Je te suis en train de te dire que la terre a reçu une instruction contre toi. Maintenant, regardez. La terre ouvrit sa bouche, les engloutit, eux, leur maison et tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Certains d'entre nous, peut-être tu n'es pas allé vivant physiquement dans le séjour des morts, mais ta vie ressemble à une vie de séjour de mort. Ta vie sur la terre des vivants ressemble au séjour des morts. Ayamakora. Ta vie sur la terre des vivants ressemble au sujet des morts. Tout est mort. Rien ne donne rien. Rien ne produit. Rien n'avance. Tout tourne en rond. Tu es rendu spécialiste de l'échec sur le bord du succès. Tu es rendu spécialiste de l'échec sur le bord du succès. C'est-à-dire que dès que le succès vient, l'échec, la terre dit non, non, non. Ce succès est là pour être dérobé. Ce succès, cette opportunité, elle lui appartenait. Mais à cause du fait que son nom soit inscrit dans cette liste, je suis désolé, on vient la chercher. On vient chercher ta bénédiction et la terre l'avale. Oh. Tu es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu être à l'heure? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu me relever à temps? Pourquoi est-ce que j'ai pu sortir tard? Pourquoi est-ce que j'ai cherché mes clés de véhicule à la dernière minute? Je n'ai pas trouvé. Parce que la terre a reçu une instruction. Ronce et épine sur ton succès. Maintenant, comment est-ce que ça arrive? Comment est-ce que ça arrive? Où est-ce qu'on a parlé contre toi? Quelle est la preuve qu'un humain peut donner des instructions à la terre à ton sujet? Vous avez vu avec Moïse. Regardez les preuves dans Nombre 16, 28 à 34. Je vais vous amener dans une preuve encore plus accablante et même plus terrifiante. Jérémie 22, à partir du verset 28. La Bible déclare, et voici ce qui se passe en fait avec chacun de nous. Dans les temps où nous vivons, voici la méthode la plus fréquente par laquelle les occultistes, les gens qui nous haïssent, même les parents maudissent la vie de leurs enfants et cela agit. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. Quand tes parents te maudissent, tu as des sérieux ennuis. Le seul moyen de contrer leur malédiction, c'est que la terre soit satisfaite d'un autre sang, d'un sang plus précieux que toi, d'un sang qui n'a pas de péché. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même parce que le monde était sous la malédiction. Le seul remède à la malédiction, c'est Jésus par la voie de son sang. La Bible dit que nous avons été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés au nom de Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Avant de te montrer comment ça marche, je veux déjà te dire qu'il y a une voie de sortie. Et il faut que tu prennes ta place. Et même si ta vie ressemble aux ossements dans la vallée des ossements desséchés, il faut que quelqu'un parle sur ta mort pour te redonner la vie. Je répète, la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole nous guérit.
Marosata, Ekora. Il chassa les esprits impurs par sa parole. Il chassait les démons par sa parole. Oh, je ne sais pas à quelle liste démoniaque tu as été assigné, à quelle liste d'esprits impurs tu as été assigné, mais le nom et la parole de Dieu sont là pour te secourir. Maintenant, regardez comment dans le spirituel, on opère et on bloque votre destinée, on bloque vos finances, on bloque vos mariages, on bloque vos vies. Parce que si tu sais, si tu connais la vérité te rendra libre, elle t'affranchira dans ce sens que la connaissance de la vérité te permet de savoir comment prendre autorité selon l'œuvre parfaite de la croix. Jérémie 22, verset 28 à 30. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas? Ils questionnent l'origine des malédictions dans la vie de Jéconia. Maintenant, écoutez bien. Terre. Écoute la parole de qui? La parole de qui? De l'Éternel. N'oubliez pas, quand la parole de l'Éternel se dirige contre la terre exécute sans aucune résistance. Parce que dès le commencement, Dieu dit que la terre fasse ci, que la terre fasse ça. Et cela fut ainsi. La Bible dit, et cela était ainsi. Écoutez bien, quand Moïse les a maudits, quand il a dit, si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre s'ouvre, écoutez, il a donné par la parole de l'homme de Dieu, la terre a exécuté. Parce que l'homme de Dieu a l'esprit de Dieu qui habite en lui. La terre exécute les jugements qui sortent de sa bouche. Je déclare dans le nom de Jésus, qu'à la parole de ta bouche, toute langue qui s'est levée en condamnation, en malédiction contre toi, que la terre condamne cette langue, que la terre afflige, remette sur cette personne tout ce qu'elle a déclaré en mal contre toi, que tout ce que les gens ont déclaré en mal contre toi, oh, par un esprit de méchanceté, je ne parle pas de ceux qui parlent par ignorance, je ne parle pas de ceux qui parlent par manque de connaissance, mais ceux qui ont levé leur langue contre toi, inspirés par la descendance du serpent pour détruire ta vie. Je déclare que la terre exécute contre ceux-là ce qu'ils avaient lancé et déclaré contre toi. Je déclare dans le nom de Jésus que ceux qui se sont levés consciemment pour nous lancer des sorts, pour nous lancer des malédictions, des imprécations, que la terre exécute contre eux-mêmes ce jugement et ces décrets de malédiction qu'ils avaient lancés, prononcés contre nous. Que la terre mette en exécution sans délai, je répète, exécution sans délai, tous les décrets qui sont sortis de la bouche d'un homme contre ses propres hommes, contre ses propres femmes, contre ces marabouts, féticheurs, sorciers, contre ceux qui, de près ou de loin, ont décidé de nous nuire. Que le décret retourne pour être contre eux. Que le décret, que la terre exécute les paroles de leur bouche contre eux-mêmes. Que la terre qui reçoit de la main de Dieu le précieux sang de Jésus en notre faveur, exécute contre nos ennemis, contre nos adversaires, contre ceux qui souhaitent notre perte, tous les décrets qui sont sortis de leur bouche contre nous, au nom puissant de Jésus. Regardez la parole. Jérémie dit, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez ces temps. Caïn a été inscrit dans un registre
de la sécheresse. C'est-à-dire que quand Caïn se pointait quelque part, la terre devient un désert immédiatement. Pourquoi? La terre a des registres au sujet de tous les vivants. La terre a des registres. Il y a de ces personnes. Si tu collabores avec eux, tu vas être extrêmement béni parce que tu t'es connecté à leur grâce. Tu t'es connecté à leur bénédiction. Mais il y a de ces personnes, même si tu pries n'importe comment, l'ordre que la terre a reçu contre eux est juste trop fort. L'ordre est grave. L'ordre est pressant. Et son exécution a été déclarée sans aucun délai. Si tu te colles à ces gens, tu vas galérer. Tu vas galérer. Tu vas souffrir. En fait, tu arrêtes de souffrir. Tu arrêtes de souffrir seulement quand tu t'éloignes d'eux. Quand tu coupes les ponts, quand tu arrêtes les transactions financières et matérielles avec eux. En dehors de cela, ils sont inscrits dans une liste. Regardez comment, sur la parole d'un homme, ton nom peut être inscrit comme étant privé d'enfant, comme ne prospérant pas. La Bible dit, verset 29, Jérémie 22, « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme. » Attends. Qui est inscrit? Qui a inscrit? Qui a fait l'inscription? Le monde spirituel, les anges, ils écrivent. Je vais vous donner une tiens. Je vais vous montrer comment ton nom peut être désinscrit. On amène la femme prise en flagrant délit d'adultère. Si quelqu'un peut me trouver ce passage et le poster sur Facebook et sur YouTube. On inscrit cette femme prise en flagrant délit d'adultère. On l'amène devant le Seigneur. On lui dit, la loi de Moïse demande de lapider une telle femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il se baisse. Il va sur la terre. Là où on avait écrit l'acte de décès de cette femme, le plan était déjà monté, elle vivait sous une malédiction. Il réécrit son histoire. Les gens sont en train d'inventer, oh, le Seigneur écrivait si le Seigneur. Le doigt de l'Éternel était en train d'écrire sur quoi? La terre, le registre concernant cette femme. Il écrit, elle ne mourra pas, elle vivra. Je lui pardonne son péché. Je lui pardonne son péché. Maintenant, je commande à la terre d'activer la conscience de tous ceux qui veulent la lapider, qu'ils réalisent à quel point ils sont plus coupables qu'elle. Il se lève. Il dit... Que celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. Je vous dis, chacun a vu tous les péchés de son existence. Parce que là, la terre sur laquelle eux s'étaient et sur laquelle ils avaient pris des pierres pour lapider cette femme, a été activée pour leur rappeler toutes leurs fautes, tous leurs péchés, toutes leurs iniquités. Donc là, la conscience de chacun se réveille. Waouh! Est-ce que vous avez déjà voulu juger quelqu'un? Ou vous avez jugé quelqu'un, vous parlez mal de quelqu'un. Et là, le Saint-Esprit vous rappelle, ou la terre vous rappelle, ce que tu fais là, ce que tu critiques là, n'est-ce pas que tu as fait pire? N'est-ce pas que si on disait à ces gens devant qui tu parles, la quantité que toi-même tu as déjà fait dans les ténèbres, est-ce que tu crois que tu mérites vraiment? Est-ce que tu crois que tu es vraiment ample? C'est ta place de parler contre cette personne. Et là, on voit ton ton se baisse. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tu entres dans la réalisation. Amen. Tu entres dans la réalisation. Frère James, si tu peux m'aider à coller le verset biblique. Tu entres dans la réalisation que tu n'es pas mieux, que tu es coupable et pas à peu près. Tu es sérieusement coupable.
Sois béni, homme de Dieu, sois béni, pasteur Timothée. Écoutez, là, quand tu réalises, ce que tu ne te rends pas compte, c'est que le doigt de l'Éternel vient d'activer ta conscience sur la terre. Le même doigt qui est venu déclarer un jugement qui est écrit sur les murs de Belshazzar, je crois que c'était Belshazzar, je ne sais plus si c'était Belshazzar, qui avait pris les vases de la maison de Dieu pour faire une orgie avec ses hommes et ses concubines. Là, le même doigt de l'Éternel parle, qui chasse les démons, le même doigt de l'Éternel qui a écrit sur le sol, avait écrit sur les murs, pesé, pesé, tu as été pesé, whatever, tu es fini, cuit, terminé. Le même doigt de l'Éternel est toujours en train d'écrire. Quand Jérémie dit terre, 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 écoutez bien ce que Jérémie dit. Terre, terre, terre. Aïe, 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 aïe. Écoute la parole de l'Éternel. Parce que c'est le doigt de l'Éternel qui écrit sur la terre. Écoutez bien. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Il parle à qui? À la terre. Il demande à la terre d'inscrire cet homme. N'oubliez pas, tout ce que Dieu demande à la terre de faire, la terre le fait. Je viens te dire, la plupart des hommes qui sont conscients de l'activité de la terre, quand ils parlent à la terre, tu es cuit. Tu as de sérieux problèmes. À moins que tu vives sous une couverture supérieure à tous leurs actes de sorcellerie. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Je déclare que tous ceux qui t'ont inscrit comme privé d'enfant, Egorata, qu'ils te rejoignent dans cette liste des inscrits, qu'ils t'y rejoignent, et que par la puissance rédemptrice du sang de Jésus qui a fait ton expiation, que tout registre de privation d'enfant dans laquelle ton nom paraissait, que le sang de Jésus vienne effacer l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Que le sang de Jésus efface l'acte qui te faisait mériter de te retrouver dans cette liste. Que le sang de Jésus efface ton nom de la liste des personnes inscrites comme étant privées d'enfants, comme des hommes dont les jours ne seront pas prospères. Que ton nom soit effacé des listes d'anti-prospérité. Il existe des listes pour la stérilité, pour la maladie, pour toutes sortes de calamités. Et quand ton nom est inscrit sur la terre dans ces listes, mes amis, tu as par la voie du sang de Jésus accès à une faveur que tu dois proclamer sur toi. Là où on a déclaré que tu vas habiter la vallée de l'ombre de la mort, il faut que tu viennes par un décret supérieur renverser un décret inférieur. Quand Aman a voulu détruire Israël, il a fait des décrets qu'il a fait signer, scellés par l'anneau du roi. C'était un décret contre le peuple qui appartient à Dieu. Quand Esther trouve faveur devant le roi, Egorata, ce que le roi avait déjà déclaré ne pouvait pas être annulé sauf par un décret supérieur. Alors le roi leur dit, écrivez vous-même. Aïe, Kadabasa. Je veux que tu comprennes que c'est écriture contre écriture. Le roi leur dit, écrivez vous-même en faveur des Juifs. Parce que Aman avait écrit en défaveur des Juifs. Et ce que Aman avait écrit ne pouvait pas être effacé. Je décrète et proclame sur toi un décret supérieur que Dieu va t'inspirer par rapport à ta situation, par rapport à tes batailles, par rapport à tes problèmes, pour renverser les décrets inférieurs, oh ratabashata, qui ont été prononcés contre toi et par lesquels ton nom était inscrit comme privé d'enfant, comme
une personne dont les jours ne seront pas prospères, comme une personne dont les jours seront des jours de maladie, de galère, de souffrance. Je déclare et je proclame que toute liste négative dans laquelle ton nom avait été inscrit, oh, soit couverte par la liste des rachetés qui ont été rachetés par le précieux sang de Jésus. Je déclare à cause de cela, parce que Christ est mort, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Parce qu'il a pris sur lui nos péchés, il s'est chargé de nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtres, sur nous sommes guéris. Je déclare donc dans le nom de Jésus que tu reçoives la paix, que tu reçoives la paix, que tu reçoives la paix à cause du sang de Jésus qui t'a racheté, qui satisfait à la colère de l'Éternel, qui satisfait à la colère de la terre. Anakatakata, à cause du sang qui vient te substituer, qui vient te substituer, qui vient prendre ta place. Le sang qui a pris ta place efface maintenant mon nom, ton nom, nos noms, le nom de nos enfants, de toute liste de maladies et de morts. Je décrète un décret supérieur au décret prononcé par les ancêtres, par les marabouts, par les féticheurs, par tous ceux qui nous réclament, par tous ceux qui réclament nos biens, nos privilèges, nos avantages. Je fais un décret supérieur, je répète que je fais un décret supérieur sur le point de se manifester et que ce décret se manifeste sans délai. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel au sujet de moi et ma maison et de tous ceux qui sont sous le timbre de ma voix. Qu'ils soient inscrits à notre sujet, que nous ne mourrons pas, mais nous vivrons au nom de Jésus. Nous serons en bonne santé et nous prospérerons à tous égards et nos âmes prospéreront au nom de Jésus. Que 1 000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. À cause du sang de Jésus qui a pris notre place, là où nous étions accusés et condamnés, je décrète et je déclare, par la voix du sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, de la terre qu'il a reçue, de la main des hommes, oh, et qui répond à la satisfaction de Dieu, que le sang de Jésus qui parle de la terre en notre faveur efface nos noms, efface nos noms, Rochata, efface le nom de nos enfants de la liste de la maladie, de la mort et de l'échec au nom puissant de Jésus. Que nos noms soient effacés de la liste de la maladie, des calamités et de la mort. Je déclare toute activité de maladie, de stérilité, d'échec, d'absence de prospérité illégale dans nos vies. Toute activité qui ne concourt pas au plan parfait de Dieu pour nos vies, je les déclare désormais, je les déclare illégaux et expulsés de nos vies. Ils sont illégaux et ils sont expulsés. Ils sont illégaux et expulsés. Que la voix du sang des animaux qui réclame ma famille, qui réclame ma maison, qui réclame mes enfants soit mise au silence, qu'elle soit réduite au silence par la voix du sang de Jésus qui parle en notre faveur, qui parle en notre faveur. Que la voix du sang de Jésus, Matabakashata, qui parle en notre faveur, détache nos noms des registres maléfiques, détache, désinscrit nos noms des registres démoniaques et inscrive nos noms, Rokatakatakata, aïe 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 aïe, des bénédictions de l'Éternel, des faveurs de l'Éternel. Je décrète et déclare dans le puissant nom de Jésus. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Par ces décrets, tu vas exécuter la faveur et la grâce de Dieu
sur nos vies dès cet instant et à jamais. Je décrète au terre, alors que tu écoutes la parole de l'Éternel, reçois et mets ses instructions en exécution sans délai. Je décrète et déclare sur toi terre. Terre, toi qui reçois le sang de Jésus en ma faveur, en la faveur de mes enfants, en la faveur du fruit des entrailles de mon épouse, en faveur de mon épouse, de ma maison, de mon assemblée. Oh, je déclare aux terres qu'ils soient inscrits à notre sujet, au sujet de tous ceux qui craignent l'Éternel, qui sont sous le timbre de ma voix. Que Dieu nous donne la supériorité sur toutes les nations de la terre au nom de Jésus. Que toutes ces bénédictions que je mentionnerai, oh, se répandent sur nous et sur nos enfants à partir de maintenant au nom de Jésus. Je décrète et déclare sur toi, terre, qui a reçu de la main des hommes le sang de notre Sauveur, le sang de notre Seigneur, qui parle de la terre en notre faveur. Je décrète et déclare qu'il soit inscrit sur la terre, que nous sommes bénis dans les villes, nous sommes bénis dans les champs, le fruit de nos entrailles est béni, le fruit de notre sol, le fruit de notre peau, les portées de notre gros et de notre menu bétail. Toutes ces choses sont bénies, nos mains sont bénies, nos familles sont bénies, nos enfants sont bénis, nous sommes bénis à notre arrivée. Oh terre, enregistre bien ceci, nous sommes bénis à notre arrivée. Par la voix du sang de Jésus qui parle de la terre, nous sommes bénis à notre départ. L'Éternel nous donne la victoire sur la stérilité, la pauvreté, la procrastination, l'échec sur le bord du succès, les maladies, toutes les œuvres des ténèbres et toute nouvelle malédiction que les ténèbres voudraient mettre en exécution contre nous. L'Éternel nous donne la victoire. Enregistre bien ceci, terre. Qu'il soit inscrit au terre dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous donne la victoire sur tous nos ennemis qui se lèvent contre nous. Ceux qui sortiront contre nous par un chemin s'enfuiront toujours. Qu'ils soient inscrits sur toi, ô terre, qu'ils s'enfuiront toujours devant nous par sept chemins, au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient inscrits, que la bénédiction est avec nous, dans nos greniers et dans toutes nos entreprises, au nom de Jésus. Qu'ils soient inscrits sur la terre, que nous sommes bénis dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne, et dans tout sol que nous foulons de nos pieds. Qu'ils soient inscrits à notre sujet, à mon sujet, au sujet de ceux qui craignent l'Éternel sous le timbre de ma voix. Qu'ils seront toujours pour l'Éternel un peuple saint, comme l'Éternel l'a juré, lorsqu'ils observent ses commandements et qu'ils marchent dans ses voies. Qu'ils soient inscrits à notre sujet, que les addictions, les péchés, les iniquités qui amènent la disgrâce divine, que ces addictions tombent, que ces péchés, ces iniquités, ces mauvaises pensées, ces mauvaises voies perdent leur pouvoir dans le nom de Jésus. Qu'ils soient inscrits dans le nom de Jésus sur toi, ô terre. Qu'ils soient inscrits à notre sujet. Qu'ils soient inscrits à notre sujet. Un esprit de sainteté et de crainte de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit inscrit, que l'Éternel incline nos cœurs tous les jours de nos vies, afin que nous offrions nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un service raisonnable. Qu'il soit inscrit sur toi, ô terre, dans le puissant nom de Jésus. Écoute bien, terre, et enregistre ceci. Tous les peuples verront que nous sommes avec nos maisons, nos assemblées, le peuple qui invoque l'Éternel. Nous sommes appelés du nom de Jésus et toutes les nations le verront et nous craindrons. Toutes les nations, tous les peuples, le monde visible, le monde invisible, verront que nous sommes appelés du nom de l'Éternel et ils nous craindront. Qu'il soit inscrit que l'Éternel nous comble de bien. Il multiplie le fruit de nos entrailles, le fruit de notre peau, le fruit de notre sol,
dans le pays qu'il a juré à nos pères de nous donner, qu'il soit inscrit au sujet de nous, au sujet de toute personne sous le timbre de ma voix, qu'il craint l'Éternel, que l'Éternel a ouvert désormais et pour toujours sur nous son bon trésor, le ciel. Le ciel est ouvert sur nous et nous recevons dans nos pays, dans nos entreprises, dans notre santé, la santé de nos enfants, dans nos assemblées, la pluie en son temps pour bénir tout le travail de nos mains. Nous recevons même la grâce d'être bénis sans effort. Nous recevons la faveur d'être bénis sans effort. Que cela soit inscrit sur toi, ô Père, au nom de Jésus, de sorte que, arachata, nous prêtons à beaucoup de nations et nous n'empruntons point au nom puissant de Jésus. Oh, l'Éternel fait de nous et de nos maisons la tête et non la queue dans le nom de Jésus. Nous sommes et serons toujours en haut et jamais en bas dans le puissant nom de Jésus. Nous sommes les premiers et jamais les derniers au nom puissant de Jésus. Nous prospérerons sur la terre des vivants au nom puissant de Jésus. Nos fils et nos filles prophétiseront qu'ils soient inscrits, que nous sommes un signe, rachata, pour les nations. Nos fils et nos filles prophétiseront. Nos jeunes gens auront des visions et nos vieillards auront des songes. Qu'ils soient inscrits, ô Père, sur toi, par la voix du sang de Jésus, qui parle de la terre en notre faveur. Qu'ils soient inscrits, que l'Éternel nous utilise pour le salut des nations. Qu'ils soient inscrits, que les plus prospères, les plus riches, les plus sages, les plus intelligents, les plus doués, les dirigeants des nations sortiront du milieu de nous qui craignons l'Éternel et non pas de ce monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit inscrit sur toi, ô Père, dans le nom puissant de Jésus, à notre sujet. Que tout ce que nos mains touchent prospérera. Tout sol que nos pieds, que nous foulons de nos pieds sera béni au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Qu'il soit inscrit, que lorsque nous traversons la vallée de Baca, qu'elle se transforme en un lieu plein de sources et que la pluie la couvre de bénédictions. Qu'il soit inscrit à notre sujet, que notre force augmentera toujours pendant la marche et que nous nous présenterons tous les jours de nos vies devant l'Éternel, notre Dieu. Qu'il soit inscrit à notre sujet, sur toi, ô Terre, à cause du sang de Jésus qui parle de la terre en notre faveur. Que l'Éternel des armées écoute toujours nos prières et prête toujours l'oreille à nos supplications. Je déclare qu'il soit inscrit, que l'Éternel est notre bouclier. Il est notre bouclier et qu'il regarde notre face. Il nous aime, que Dieu est un soleil, un bouclier pour nous. Il nous donne la grâce et la gloire et il ne nous refuse aucun bien en nous faisant marcher dans l'intégrité. Qu'il soit inscrit à notre sujet sur la terre, que l'Éternel des armées nous rend heureux parce que nous nous confions en lui. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je décrète et je déclare par l'autorité du nom de Jésus et le sang de Jésus qui parle de la terre en notre faveur que nous sommes heureux. Qu'il soit inscrit que nous sommes heureux. Nous habitons dans nos maisons et nous célébrons l'Éternel.
que nous plaçons en l'Éternel notre Dieu et en lui seul notre confiance, car il est notre appui et nous trouvons dans nos cœurs des chemins tout tracés. Qu'il soit inscrit à notre sujet, que nous n'aurons ni peur, ni frayeur, ni inquiétude, parce que l'Éternel est notre assurance, il est notre paix, il est notre joie, il est notre force, au nom puissant de Jésus. Que la réaction de la terre à chacun de nos pas soit bénédiction, faveur et grâce. Bénédiction, faveur et grâce. Et que tout registre, ce dont nous sommes conscients et ce dont nous ignorons, que la terre connaît déjà et qui a en soi une quelconque négativité, une quelconque malédiction, une quelconque instruction pour nous nuire, que le sang de Jésus qui a été reçu de la terre efface nos noms et le nom de nos maisons, le nom de nos enfants de cette liste et nous libère, nous libère, nous libère, nous libère. Et ratatatatata, je déclare à la terre, au nom puissant de Jésus, terre qui abrite les serpents, terre qui abrite les scorpions, terre qui abrite les lions, les lionceaux, les dragons et toutes les activités et la puissance de l'ennemi. Je commande à la terre, oh, de faire une chose inouïe, que la terre se fende, qu'elle ouvre sa bouche et engloutisse tout ce qui se meut sur la terre, tout ce qui vole dans les airs et qui se pose même sur les arbres, que la terre, pour nous détruire, pour nous nuire, que la terre engloutisse tous les arbres de nos familles, paternelles, maternelles, de nos belles familles, qui parlent et agissent contre nous, tous les avions spirituels, tous les maris et les femmes de nuit, tous les animaux des marais, toutes les sirènes des eaux, que la terre s'ouvre et engloutisse les eaux avec les sirènes qui travaillaient jour et nuit contre nous. Que la terre s'ouvre et les engloutisse et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts. Qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts et ne retournent plus sur la terre des vivants. Je le commande au nom de Jésus. Adaboreke. Et le peuple de Dieu active son micro et dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonne journée. La main de l'Éternel te touche et te guérisse. Au nom de Jésus. La main de l'Éternel te touche et te guérisse, sœur Yvonne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel te touche et te guérisse, maman Suzanne. Au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel te touche et change ta vie. Toi qui es sous le timbre de ma voix, sœur Clémence. Que la main de l'Éternel te touche et te guérisse et guérisse ton cœur et tes pensées au nom de Jésus. Je parle sur la vie de quelqu'un ce matin. Que la main de l'Éternel te touche et te guérisse au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel te touche et te guérisse au nom de Jésus. Je viens vous mettre en observation. Après cette prière de ce matin, marchez différemment. Connecté avec ce qui garde les registres. Pendant que vous marchez sur la terre des vivants, méfiez-vous des choses que vous dites et des choses que vous faites. C'est enregistré. Il faut marcher d'une manière où quand la terre vous voit, la terre voit Jésus en vous. Amen. Et que la terre ait hâte d'exécuter vos desseins, d'exécuter les paroles qui sortent de vos bouches, parce que vous ressemblez à son Créateur. Si Jérémie pouvait parler à la terre et la terre exécutait, si Moïse pouvait parler à la terre et la terre exécutait, et bien d'autres encore,
Si Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher, et le rocher produisait des eaux, sachez que les éléments qui semblent être sans vie ont en eux une vie et une vie en abondance. Même les cailloux adorent le Seigneur. Le Seigneur dit, si je leur demande de cette terre, même Dieu fera même de ces pierres des adorations, des adorateurs. C'est pour dire, tout ce que Dieu a créé, je dis bien, tout ce que Dieu a créé reçoit les instructions de Dieu. Devinez quoi? Il n'y a rien sur la face de la terre que Dieu n'a pas créé. Amen. Rien. Même l'adversité, c'est la main de Dieu qui l'a créé. C'est pourquoi quand tu parles, tu as autorité sur tout ce que Dieu a créé. Je vous répète, même l'adversité, c'est Dieu qui l'a créé. Donc quand tu parles au nom de Jésus, même à l'adversité, l'adversité reconnaît celui à qui Dieu avait donné la domination sur toute la création. Pourquoi est-ce que quand nous prions, les choses s'exécutent? Parce que les choses savent, voici les dominateurs. Voici les dominateurs. C'est à eux que Dieu nous avait soumis. C'est sous leur autorité que nous avons, c'est pour vivre et marcher sous leur autorité que nous avons été créés à l'origine. C'est pourquoi Josué, il n'a pas dit à Dieu, Seigneur, fais que le soleil s'arrête. Non. Il a levé la tête, il dit que le soleil s'arrête sur Gabaon. Allô? Ici, là, Moïse ne dit pas éternel des armées, fais que la terre. Non, il dit, si tu fais quelque chose de nuit, que la terre s'ouvre et les engloutisse et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts. C'est pourquoi je vous en conjure, je vous en supplie par les compassions de Dieu. Éloignez-vous du mal qui se dit au sujet des hommes de Dieu. N'allez pas écouter, n'allez pas plonger votre regard, parce qu'un homme de Dieu peut s'irriter et la puissance du décret tombe sur lui alors qu'il est dans la chair, alors qu'il est fâché et il ruine votre existence. Soyez en paix avec tous. Je vous dis particulièrement les serviteurs de Dieu, qu'ils soient en haut, qu'ils soient en bas, méfiez-vous. Imaginez-vous un peu, ok? Vous êtes là ce matin en train de faire cette prière, mais quelqu'un a passé le temps à vous diffamer, à gâter votre nom. Que pensez-vous qui va se produire dans la vie de cette personne? La terre va le localiser et la terre va appliquer sur lui tout ce qu'il disait contre vous. Donc faites attention, si vous n'avez rien de dit à bon, de bon au sujet de quelqu'un, fermez vos bouches. Vous ne savez pas dans quelle réunion de prière cette personne va se trouver. Oh, vous ne savez pas. Moi, j'ai déjà déclaré, toute tentative d'envoûtement dans mon assemblée sera rencontrée par la mort. Toute tentative d'envoûtement, je vais vous expliquer pourquoi je parle d'envoûtement dans mon assemblée. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des sorciers dans mon assemblée. Il y a des sorciers, en fait, partout. Si lorsque les fils de Dieu se réunissaient, Satan venait. Ne pensez pas que Satan n'est pas dans vos assemblées. Satan a le droit de venir vous tester pour que vous lui écrasez la tête. Satan est obligé de se soumettre à ce piège. Est-ce que vous savez qu'il ne veut pas venir, mais il est obligé? La Bible dit que le Dieu de gloire mettra bientôt Satan sous vos pieds. Même quand il ne veut pas te tenter, il est obligé. Pourquoi? Pour que tu l'écrases et que tu récupères la domination qu'il a volée à l'homme, qu'il a volée à ta famille depuis des générations. C'est très difficile de détruire les œuvres du diable auxquelles tu n'es pas confronté. Donc parfois, l'Éternel permettra
qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il va venir s'approcher. Et Dieu va te dire, écrase-lui la tête. Écrase-lui la tête. Je peux vous prouver que le diable ne veut pas, mais il est forcé. Je peux vous le prouver. Je vais vous lire juste un verset. Vous allez comprendre que l'ennemi ne vient pas toujours délibérément. Allô? Il est piégé. Vous passez le temps à croire que le diable vous piège. Non, Dieu piège le diable avec nos vies. Dieu piège le diable avec nos vies. Regardez, Luc, chapitre 4. Pour te dire à quel point, ça c'est juste pour te dire à quel point, normalement, tu es très dangereux. Normalement, tu es un sérieux problème pour le monde des ténèbres. Normalement, ce n'est pas les ténèbres qui t'attaquent comme quand ils veulent, mais ils sont forcés, ils sont obligés de venir t'attaquer pour que tu les détruises. Luc chapitre 4. La Bible déclare, je lis dans le nom de Jésus, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et il fut conduit par le Saint-Esprit. Qui a conduit le Seigneur Jésus dans le désert? Qui a conduit le Seigneur Jésus dans le désert? Quelqu'un. Répondez un peu. Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais il a conduit dans le désert pourquoi? Pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. C'est-à-dire que le désert était un piège pour le diable. Le Saint-Esprit l'a amené là-bas pour attirer Satan là-bas. Parce que Satan errait et parcourait la terre. Maintenant, il voit celui dont la lumière brille dans les ténèbres, qui est faible. Il dit que je ne peux pas rater l'opportunité de le tenter. Je ne peux juste pas rater cette opportunité. Parce que si je gagne celui-ci, j'ai gagné l'univers tout entier. Je n'ai pas seulement gagné la terre. Je ne veux pas seulement contrôler la terre. Je veux contrôler le ciel. Donc, quand il est jeûné, c'était pour attirer Satan. Nous sommes dans le mois de jeûne et prière. Je vous annonce que votre jeûne va attirer Satan. Vous êtes là, vous croyez que vous allez jeûner, voir les anges du coup. Vous allez voir les anges parce que Satan était là. Parce que c'est après avoir attiré le diable, après avoir vaincu le diable par la parole, que maintenant les anges viennent lui rendre ministère. Les anges viennent pour un but bien précis. Et les anges viennent, la Bible dit, ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés par Dieu pour rendre ministère, c'est-à-dire pour servir aux héritiers du salut. Mais le meilleur moment où les anges interviennent dans ta vie, c'est après que le diable t'est tenté. Et que tu as dit au diable, va te faire voir ailleurs en majuscule. La Bible dit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, répondez toujours au diable par la parole de Dieu. Laissez les émotions inutiles, laisse la colère, abandonne la fureur, n'étirite pas, ce serait mal fait. Laissez les émotions. Maintenant, je vais sauter pour aller au verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières,
Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Maintenant, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jeûner pour aller à un autre niveau avec Dieu. Jeûner pour que le nom de l'Éternel soit connu du soleil levant jusqu'à son coucher. On ne jeûne pas pour chasser les démons. Personne ne l'a fait dans la Bible. Je répète, personne ne l'a fait dans la Bible. Tu jeûnes pour humilier ton âme devant Dieu. Pour être faible afin que Dieu soit ta force. Pour faire silence afin que Dieu parle pour toi. Tu jeûnes pour t'humilier et te détourner de toutes les mauvaises voies afin que à tes résolutions réponde le succès. Amen. Le jeûne détruit l'incrédulité. Et quand tu as la foi, tu peux parler aux montagnes de destruction.